Regardez qui est là. C'est Mich Mich. Coucou. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. Donc je vous mets quelques images, même si aujourd'hui on filme pas. Mais demain je filme, donc je vous inclus ces magnifiques images. Regardez. Alors c'est le King's Inn, donc on a une magnifique couronne. Et bien sûr on est à l'étage, donc pour porter nos valises c'est toujours un sketch. Et franchement c'est pas mal, c'est mieux que la dernière fois quand on était venu. On avait trouvé ça un peu mince, on était plus au fond. Et là on est juste devant, franchement c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Très bien, et ici voilà, basique. Pas mal, pas mal. Et coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le dernier jour plein, on part demain fin d'après-midi et on va à Mitch. Quoi? On va à Disneyland. Ouh, quel enthousiasme. On refait, on va à Disneyland. Elle est encore un peu endormie. Donc nous on vous a laissé, donc là on est mardi, on vous a laissé dimanche soir, oui, complètement fracassé à Universal Studios. Je suis un peu trouble, hein. Vous avez le focus sur ce magnifique tableau de plage. Donc hier, lundi, on a juste fait un petit peu de shopping. Je vais vous mettre là, je vais vous filmer ce qu'on a pris, mais franchement on n'a pas trouvé grand chose. Alors on vous montre un petit peu ce qu'on a acheté à l'outlet. Donc c'était franchement bof, clairement ça vaut rien, aucun outlet vaut les outlets de Orlando, c'est les meilleurs en Floride, franchement Las Vegas bof, et là Los Angeles encore pire bof du monde. Donc on a acheté deux t-shirts Volcom pour le beau-frère de Michel, donc le mari de sa sœur. Nous on a craqué genre Mitch, bah Levi's basique, et moi celui-là, genre j'ai trop kiffé, genre en mode baggy là ça va être top. Et j'avais une commande pour deux amis, celui-là et celui-là. Et je me suis trouvé des Vans, regardez comme elles sont belles. Ouh, on voit mal mais c'est genre une espèce de pailleté trop beau. Et c'est tout, franchement c'est tout, c'est la honte. Enfin, à Disney j'aurais cru acheter l'univers entier, bah, c'était nul, nul, nul. Et ensuite je vous montre un petit peu parce qu'à Target il y a des petites choses aussi, Target et Walmart. Donc Michel m'a trouvé celui-là parce que j'en peux plus de comment dire, des êtres humains en général. Et donc I'm surrounded by idiots, donc je suis entourée d'idiots, sauf Michel bien entendu, et ma famille et mes amis, c'est la base, et quand même ceux qui me suivent, hein, c'est pas des idiots. Et merci de confirmer. Ça va de soi, c'est ça qu'elle a dit en anglais, ça va de soi. Donc elle s'est pris ce pantalon là, trop mignon, c'est Kirby c'est ça? C'est un pyjama. Et ce t-shirt là pour mettre pour Disney. Oui, oui, oui. J'en avais oublié de vous montrer, c'était dans un autre sac. Donc on a trouvé aussi ce petit t-shirt pour moi. Je trouvais trop beau. Ce petit t-shirt pour Mitch. Elle a kiffé. Et celui-là aussi pour Mitch. Donc c'est les lumières de Noël sont mes couleurs préférées. Trop mignon. Et quoi d'autre? Et oui, et hier soir donc on est arrivé à Disney, Downtown Disney, donc le Disney Village. Donc je vous en serai aussi maintenant.
maintenant vous avez vu ce qu'on a vu hier soir. Donc c'est parti pour une nouvelle journée, toujours aussi flou. Donc journée, on fait seulement le parc principal parce qu'il y a deux parcs, le principal et le Disneyland California Adventure, mais on n'a pas le temps de faire les deux, donc on fait le principal et on vous embarque. Allez. N'est-ce pas? Allez, let's go. On marche au parc. Donc c'est l'avantage de tous ces hôtels là qui sont à côté, dont le nôtre. Et on marche et le parc est juste là. Donc tout le monde marche, c'est un quart d'heure à pied à peu près. C'est mieux parce que c'est 35$ je crois le parking. Donc ton merci. Voilà. Donc ici c'est le California Adventure et ce soir il y a la soirée Halloween malheureusement qui était pleine. C'était tout était overbook depuis des mois. Mais c'est pas grave, on va dans le parc principal juste ici. Et on est dedans. Woohoo. On a mis nos Magic Bands. Si vous connaissez Magic Bands, c'est en Floride surtout, mais ils commencent à les faire ici en Californie. Regardez comme c'est beau déjà. C'est trop beau. J'adore. Allez, c'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup de monde. Hein. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est trop bien, c'est décoré. Et souvenez-vous, ici, le château est ridiculement petit. Mais c'est quand même le premier parc Walt a créé. Waouh, c'est trop bien. Il y a une grosse citrouille et souffle. Je vais vous filmer un peu mieux. Regardez ça, vous avez la citrouille. On a cherché le château quand même avant de le voir. Il est là. J'adore. Elle est trop belle cette citrouille. Trop trop belle. Avec Main Street. En direct avec les canards pour, vous voyez ici, Adventureland et la Frontierland. Pour nous c'est les deux meilleures landes, peu importe les parcs, parce qu'on adore Big Thunder Mountain, le manoir hanté, tout ça tout ça. Donc c'est parti. Il n'y a que 10 minutes de gens, incroyable, incroyable, c'est parti. La meilleure attraction du monde. On est sorti de Big Thunder Mountain, en fait il n'y avait pas de queue du tout. On a juste tracé et je vous mettrai les images que Mitch a faites pour vous. Alors c'est en mode iPhone hein, mais pour vous, ça vous avez des petits extraits. Indiana Jones, voilà, on reste dans le coin. Trop cool. Ouais, c'est parti pour le manoir hanté qui est spécialement décoré pour Halloween avec Jack. Et donc en fait c'est super famous, tout le monde veut y aller. Et là il n'y a que 30 minutes de queue donc on se jette. Nestled all snug in their beds, would have nightmares.
nightmares of monsters and skeleton hands. Sortir de la maison hantée et juste à côté donc il y a un petit coin la Nouvelle-Orléans et donc maintenant tout se fait si vous avez suivi la Floride tout se fait sur le téléphone quasiment hein. Donc j'ai commandé mes beignets si vous savez mon amour pour les Mickey beignets voilà, vous voyez quelque chose hop et on doit dire quand on est là donc vu qu'on est là bah on va le dire c'est top. Montre nous l'intérieur maintenant. Oh là là on en a pris que 3, on a été sages parce que quand même ça c'est la vie, je vous jure, c'est la vie. Je vais prendre ton premier morceau. Ah, il est un peu fatigué ce Mickey mais... c'est la vie, oh là. Regarde ses mains. Ah oui, non, c'est magnifique. C'est pour ça qu'elle est habillée comme ça. La vie. Pirate. Je suis habillée comme un pirate. Boat. Elle a mangé mon beignet. Non. Elle a pas pu s'empêcher. Non, elle le voulait pas. C'est la différence. Boutique, effectivement, comme dit Mitch, c'est petit. Ouh, mais c'est quand même pas trop mal. Hein. Regardez ça, pirate, pirate, pirate. Ouh, le chapeau. Pas mal. Oh, la peluche pirate. Oh non, c'est trop mignon. Oh, même le Mickey et tout, avec son sabre. Oh, c'est trop mignon. C'est parti, on va faire Indiana Jones. On vient de sortir de pirate. Et il y a pas mal de queues, mais c'est vraiment à faire ici. C'est pas le même qu'à Paris. On est dans une espèce de véhicule et c'est trop trop bien. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Ça c'est Michel. Indiana Jones, on peut pas vous filmer dedans, c'est vraiment trop violent, mais c'est trop bien. J'arrive même pas à regarder toi-même dans ouais, c'est genre blou. Mais c'est trop trop bien. Et là, donc on va sur Main Street pour manger. Donc on vous prend avec nous et on va vous filmer. Vous voulez quoi manger on va aller, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Ah, eux, qu'est-ce qu'ils veulent manger? On va aller au, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu comme le Casey Corner à Disneyland Paris, mais c'est pas le Casey Corner, mais c'est le même style. Et on va prendre, ils font des hot dogs, tout ça, et ils font un truc spécifique ici. C'est en fait à manger dans une boule de pain. Oui, oui, c'est ça. Donc on va prendre ça.
pas. Ok, let's go. Regardez, ça ressemble vraiment au purée. La porte sur moi. Ok, easy corner. C'est chou. Et là, on peut se mettre dehors aussi. Regardez ça. Donc ça, c'est du chili dans du pain. Et c'est en forme de Mickey. Hein, plus ou moins. Et moi, regardez-moi ça. C'est spécial Halloween. Oh, malheur, il y a du chili, saucisse, des chips. Hop. Avec quand même une vue pas trop dégueu sur Main Street, la petite montagne et un petit bout du château. C'est parti. Donc on est derrière le château. Là c'est Fantasyland ici avec Peter Pan. Il y a toujours un milliard de monde. Vous avez Blanche-Neige, le carrousel. Et nous on va continuer, on va aller derrière parce qu'il y a un land qui existe que ici. Enfin je crois que c'est que ici. Oui, Mickey's Toontown. Donc en fait c'est la ville de Mickey et ses amis. Et ils ont recréé les petites maisons, tout ça. C'est mignon. Et il y a Snow White. Elle se balade comme ça. C'est ça qui est beau ici. Juste ils peuvent se balader sans se faire agresser. Pas comme en France. Regardez maintenant il y a Cendrillon. Normal hein, tout va bien. Oh, oh mimi. Ouais, Mickey's Toontown. Let's go. C'est trop adorable, regardez ça. Et il y a la fameuse attraction pareil qu'en Floride qu'on n'arrivait pas à prononcer. Mickey and Minnie Runaway Railway. Ouh, on va essayer de voir si on peut la faire. Et là j'ai perdu Michel. Allez là. Coucou, t'as visité la poste? Ouais. Apparemment. Oh. Waouh, la poste est petite quand même. Hein. Petit. Bon ben finalement on le fait. Voilà le fameux, comment on prononce Mitch? Mickey. C'est là. Et allez c'est parti. Il y a pas mal d'attentes mais il y aura jamais moins. These good people into the cartoon while I fix this here locomotive? That sounds like a lot of paperwork, Goofy, but I'll help you out. De l'attraction, j'adore. Donc là c'est trop mignon franchement. Enfin, c'est plus pour les enfants hein, mais franchement moi je trouve que c'est adorable comme endroit. Tout est très comment dire, toonesque, vous voyez, enfin fait grossièrement mais c'est trop mignon. Normalement il y a la maison. Ah, c'est Michel qui chante la chanson d'attraction. Nothing can stop us now. C'est ça qu'ils disent et après ça vous prend la tête. Et là c'est quoi? C'est la maison de Minnie. Oh, regardez comment c'est trop mimes. Oh, et dedans vous pouvez rencontrer Minnie. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, c'est adorable. Oh, c'est trop mignon. Et là-bas il y a Mickey.
Oh, il y a Mickey. Bah, Mickey, il est un peu plus fameux, hein, 45 minutes d'attente. Minnie, c'était 20. Oh, c'est trop mignon. Oh. Mais bon, je pense qu'ils vivent ensemble quand même, hein, normalement. On a pu rentrer dans la maison de Mickey. C'est trop drôle. Elle est belle, sa maison, quand même. Oh. Ah bah oui, il y a la place pour Pluto. J'adore. Trop fort. Ça, c'est juste le repas de Marie aujourd'hui. C'est un sandwich. Elle fait un effort en régime aujourd'hui, donc elle mange pas beaucoup. Quelques soupes, sandwich, fromage, des fruits, je sais pas si elle va en manger. Peut-être avec la confiture, elle va en manger. Voilà. Là, c'est à elle. C'est son repas. Et elle attend avec impatience pour son sandwich. Oui, parce que les gens doublent en plus. Ah oui, plissage de bouteillage en cours. Oups. Oups. Mal poli. Marie qui remplit sa bouteille. Mais c'est hallucinant quoi. On fait tous la queue et il y a un gosse qui double tout le monde et sa mère lui dit vas-y, vas-y, je t'en prie. On était tous, mais je sais pas moi. C'est pas. Je dis que tu faisais un effort aujourd'hui sur ta régime et c'était ton sandwich. Ouais. Mais faut pas que je lui laisse la caméra. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc voilà, sachez qu'il y a de l'eau gratuite. Je vous avais dit que j'allais me faire engueuler. Eau gratuite. Parce que c'est, sinon, c'est genre 5 euros la bouteille, vous voyez. Elle est très française aujourd'hui avec ses petites t-shirts rayés. Fière d'être française. Si, si. Et elle chante la Marseillaise tous les matins. En essence de vie. C'est vrai. Elle a des photos d'Emmanuel Macron partout. Mais t'arrêtes de dire des bêtises. Ça y est, on est sorti de Mickey Toontown. Et j'ai commandé quelque chose. Et on retourne sur Main Street. C'est une petite glace d'Halloween. Oh, il y a Peter Pan. C'est tout à fait normal. J'adore. Trop bien. Regardez, il a trouvé Wendy. Il a cherché, il a trouvé plus. Trop mignon. J'adore. Hi. C'est trop mignon. Et juste, il se balade comme ça. C'est fou, quoi. Je veux dire, à Paris, ils ont besoin d'être accompagnés, sinon ils seront attaqués. Regardez ça. J'adore. C'est en mode Halloween avec une petite tombe, des vers de terre. C'est juste là. Bien sûr, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Hein. C'est très compliqué à Disney. Oh, c'est absolument tout trouble. Voilà. Il y a genre 4 portables, comme pour manger tout à l'heure. On a eu de la chance, mais compliqué. Alors, la glace. Bon, vous voyez le reste là. Franchement, un pitch aussi t'es. Oui. Oui, oui, oui. Moi là, j'ai mangé quelques verres de terre. Là, on va où alors? Oh, regarde. Magnifique. Vous avez un zoom des pommes là. Alors, on va où, Mitch? Vers les goûters? Yeah. Esmeralda, elle est pas censée être avec le bossu là. Je sais pas. Ah oui, Notre-Dame. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fout dans la cage? Donc on va faire les boutiques, tout ça pour dire, voilà. On vous montre un petit peu si on trouve des choses. Je pense qu'elle est pas contente quand je prenne la caméra. Mais non, mais là je pense qu'il ne voit pas. Hein. Si tu vois. Ah oui. Allez, à toutes. Ça veut dire arrête de filmer Michel. Ça va être trop long le vlog. Regardez ce magasin comme il est trop beau, c'est spécial. La maison hantée je pense. Ouais, maison hantée et... Ouais, maison hantée tout court. Wouah.
est magnifique. Oh, wow, regardez même le plafond et tout. Et c'est genre un peu Jack qui a pris le contrôle comme le truc de la maison hantée. Oh, c'est trop beau ça. Non, je suis sûre que tu peux l'acheter. Ouais, tu peux l'acheter. C'est faux, mais tu peux l'acheter 45 euros quand même. Oh, c'est trop beau. Oh là là là. C'est trop trop beau. Oh, on adore la maison hantée avec Michel. Trop beau. Magnifique. Même le porte-savon. Oh. Waouh. Wow. Et un petit peu de Jack quand même, vu qu'il a pris le contrôle de la maison hantée. Oh. Avec Zéro le chien. On va passer au milieu du minuscule château. C'est parti. Bah, on n'a rien trouvé, figurez-vous, au magasin. Donc on verra tout à l'heure sur Main Street, c'est les gros magasins principaux, donc on verra ça. On passe au milieu du château et puis on va voir si on fait It's a Small World ou Peter Pan, enfin des petits trucs de Fantasyland, mais on n'est pas sûr parce qu'il y a toujours trop de monde et ça vaut pas non plus, voyez, une heure de queue. Hop, ils m'interpellent juste devant le château là. Oh là 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 là. C'est trop drôle. Wow. Wow. Vraiment. Ouf. On a mis au moins une demi-heure pour traverser, hein. Franchement. Ouais, ça y est, on est sorti. Non, on peut monter dedans, mais oh, c'est la mini expérience. Qu'est-ce que tu fais? Il y a 10 minutes à It's a Small World, c'est correct, c'est correct. Ah, la queue se fait dehors ici. Ah, c'est original, dans les autres Disney, non. Original. Oh, il y a le petit train qui passe. Oh là là. Comme ils sont trop mignons, on est tombé sur la parade là par hasard en sortant.
Et là, on va vers Tomorrowland et regardez les petits bébés choux. Oh, oh, ils sont trop adorables. Oh, ils sont trop adorables. Ils sont juste à côté de Tomorrowland, là, posés. Il y a beaucoup de canards. Hop. Wow. Vous avez le monorail qui passe juste ici. Et là-bas, vous avez le Pizza Planet pour les fans de Toy Story. Vous voyez la fusée. On y a déjà mangé, donc là, on n'y mange pas cette année. Mais c'est vraiment pas mal. Avec des pizzas, tout ça, comme dans le dessin animé. Ah, regardez, on a galéré à les trouver. C'est spécial Halloween. Regardez comme elle est belle. C'est juste un petit truc de boisson là qui les vend. Ah, Tomorrowland, trop bien. Regardez comme elle est trop belle. C'était un sketch pour la voir, je vous jure. Il fallait prendre une boisson avec et c'était ça, mais pas ça, mais ça. Le mec, il savait pas ce qu'il disait, mais il faut prendre là. Un sketch, mais on a réussi. Un petit tour dans le magasin de Buzz parce qu'il y a un peu trop de monde à l'attraction Buzz, donc je suis pas sûre qu'on la fasse. Et j'adore les magasins à chaque fois. Il y a du monde quand même, hein. Si vous voyez à travers, vous êtes fort, vous êtes fort. Ouh, à manger. Oh, c'est trop beau, Pizza Planet. Oh, Buzz, 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 Pizza Planet. Oh, là aussi Pizza Planet. Bah dis donc. Wow. C'est trop beau la déco, j'adore. Et voilà, un petit strawberry açaï pour moi et un petit cappuccino. Regardez comme c'est beau. Plein de petits symboles de Disney. Il m'en faut peu, hein. Ouais, il m'en faut peu. Ok, alors, on a fait un petit peu de shopping. On vous a abandonné, mais pas trop quand même. On n'a pas trouvé grand chose. On a trouvé un pull pour Mitch, qui est trop beau. On va pour l'instant, on vous le montrera. Oui, c'est pour nous deux, mais elle a flashé dessus sur la maison hantée. Et moi, j'ai flashé sur lui. Donc je le trouvais trop chou. Depuis tout à l'heure, j'y pensais que je l'avais pas pris en sortant de pirate. Donc c'est plutôt qui tient les clés, comme dans l'attraction, il y a un chien qui tient les clés, vous voyez. Référence. Et donc là, on va aller du côté de Star Wars. Il y a Star Wars ici. On n'aime pas Star Wars, désolé. Mais on va quand même faire un petit tour pour vous. Et mon père, parce qu'il kiffe. Parti ? Elle est pas contente. Mais un petit tour, vite fait. Allez, c'est parti. Boring. C'est quoi ça? Regardez, c'est trop fort, il y a le Mandalorian là comme ça qui se balade. Regardez, j'adore. Avec le petit bébé Yoda là. Trop fort. Allez, regardez, on va tic 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 tic. Hungry Bear. Donc l'ours qui a faim. Et c'est pas mal, c'est assez connu ici. On n'y est jamais allé. Et ils ont des petits menus d'Halloween. Bon, qui n'ont rien vraiment d'Halloween, mais c'est genre des burgers un peu avec du fromage spécial, vous voyez. C'est sympathique. Ah, regardez, donc Michel a pris un hamburger normal. Et moi j'ai pris le fameux hamburger d'Halloween. Genre avec du bacon et de la... C'est quoi? Pepper cheese sauce. Donc la sauce au fromage. Au poivre. Voilà. Et un petit orangina sans colorant, comme vous pouvez voir. Magnifique à lâcher. Tous ces corbeilles. C'est corbeau. Oh, corbeau, ah oui, corbeau. Oh, corbeille, c'est une poubelle. Ils sont partout. Comme vous voyez, on est parti du restaurant. Hein. On a oui. Et on se balade un peu et Michel a dit filme pour tes fans, oui, des corbeilles. Il y en a eu, mais vraiment une centaine d'un coup. C'était fou. Et c'est Maléfique du château, parce que c'est le château de la Belle au Bois Dormant. Donc Maléfique bah, les a lâchés. Hein. We're having a rest. Est-ce qu'on a monté ma peluche? Non. Oh? On regarde le canard. Oui, on a monté ma peluche.
Voilà. Regarde, Ida, comme un flamant rose. Ah ouais, il est chaud. Bah, il vient. Oh, il y a la sécu. Yeah. Il y a la sécurité. Oh. Peut-être eu un fight. Regarde, ils sont partout, ces petites corbeilles. Cool. Oh bon. Il est là sur le château. Il s'appelle comment le corbeau Le bel roi dormant. Je sais pas, Marie va vous le mettre ici. 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 Partout les ballons aussi, ça c'est Esther en haut là, je la connais. Il y a ton peuple qui veut que tu mettes le nom de la corbeau de Belle et le Roi Dormant. Quoi? Pardon mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Tu mets le nom ici du corbeau. Le corbeau. Mais il n'y a pas de nom. Si, il a un nom. Il a un nom, le corbeau de Maléfique. C'est sûr. Bon bah, on cherchera ça. J'ai dit qu'il y a Esther qui est passée. Parce que Esther, tu, la... Je suis à peu près là quand même, non? Non, non. Esther, le corbeau, on la connaît plutôt bien. Mais il y avait le corbeau de Maléfique qui était tout en haut là. Je sais pas s'il a un nom. Bah, on verra bien. Maléfique, le film, oui. Parce qu'ils ont remasterisé, mais le dessin animé, je suis pas sûre. Ouais, je vous écrirai là. Elle me donne du travail, franchement, elle me donne du travail. Si tu tombes là-dedans, je vais rigoler. Hein. Mais non, allez. Allez, dis au revoir maintenant, c'est trop long. Elle veut que je filme et après elle manque. Mais trop long, mais quand même. Non, c'est le moment crucial du vlog. Que je mette ça, quoi. S'en fiche, je te reste. My camera, right? Allez. Allez. Cool. Michel a trouvé le nom. Si ça marche, oui. Regardez. C'est Diablo. Voilà. Diablo de Crow. Diablo de Crow. Ok, Diablo le corbeau. Ha. Ouais, bref. Allez. Je vous en prie. C'est pas possible. Cette Michelle, c'est pas possible. Ben on va clairement pas faire ça. Hein. Une heure? Je crois pas, non? On hésitait à le faire. Vous voyez absolument rien. C'est la montagne là. On l'avait fait une fois, genre tout le monde en parlait que c'était exceptionnel, on avait trouvé ça horrible. Ouais, on avait trouvé ça trop violent, donc bon, voilà. Allez, on se lance, on va faire Nemo. J'en avais entendu parler, c'est dans une sorte de sous-marin, enfin un faux sous-marin quoi. Et apparemment c'est pas mal. Ah oui, Michel est fan des mouettes, vous les voyez, elles sont là, sur le petit truc rouge. Là, là. c'est les mouettes. Ah oui, bien sûr, directrice créative du blog. Donc c'est les mouettes dans Nemo qui disent mang 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 mang. Voilà, il y a les fans. En français, je sais pas ce qu'elles disent. Les miens, mien, mien, parce que mine ça veut dire à moi quoi, mais je sais pas. Bonne question. À moi, à moi, à moi. Regardez le sous-marin. En fait, je pensais pas qu'il bougeait, mais vraiment il bouge. Il va se promener. Ah, c'est trop drôle. Et donc on est en dessous et c'est genre rencontre avec Nemo quoi, vous voyez, à travers les vitres. Where are you at?
because of that. Let me hear everyone say it together. 3, 2, 1, we are hot! Keep going, you got it. Let me hear you say it. We are hot! Your face. One more time. Bien. Oh, vous entendez encore derrière là, il y a la petite danse quand on est sorti de Nemo. Ça ne s'arrête jamais ici, ça ne s'arrête jamais. Ça y est, la nuit est bien tombée, c'est 19h30 je crois. 19h30, ça fait 11h30 qu'on est sur le parc. Voilà, ça commence à... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer un petit peu les lumières sur Main Street, tout ça, s'il y a un peu des citrouilles et tout. Et je pense qu'on va rentrer parce que... Chaos technique, n'est-ce pas? Avant de vous filmer Main Street, je vais vous filmer cet arbre là. Donc qui est apparemment super connu, j'ai vu ça sur Google avant de venir. Et regardez comme il est beau. Waouh! C'est beautiful, non? Magnifique, je vais vous filmer d'un peu plus loin. Voilà. C'est un vrai? Oui, c'est un vrai. C'est un vrai arbre. C'est très très beau. Et c'est devenu un peu le symbole d'Halloween ici. Je sais pas trop suivi pourquoi, mais c'est un auteur de livres et voilà, ils lui ont dédié cet arbre. There's room for one more. Comment tu traduis ça? Il reste la place pour encore une personne. Ouais, voilà. Il reste la place pour une personne. Il reste encore de la place pour une personne. C'est pour la maison hantée, pour les fantômes. Il reste la place pour une personne. Bye bye. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé de Diablo, le corbeau qui était au-dessus du château, c'est le corbeau de Maléfique, mais tous les corbeaux sont des corbeaux de Maléfique. Mais on a aussi parlé de Esther, qui a un autre corbeau, et en fait, Diablo, il aimait bien Esther. Mais Esther, Esther, elle aime bien... attends. Mais Esther, elle est amoureuse de Morty. Donc Morty, c'est une des mouettes de Nemo. Mon Dieu. Et après, merci. Elle est jalouse de mon histoire. Il y a le petit mec vert là-bas. Et donc, Esther, donc c'est vraiment un triangle vicieux parce que Morty, si, c'est le... l'ennemi de Diabolo et mais il s'aime pas. Tu peux abréger parce que le vlog va être assez long. Non, donc Diablo il aime bien Esther, après ils se sont disputés là, c'est pour ça qu'ils étaient pas ensemble, mais les deux sont potes. Et Esther, la musique est adaptée. Et Esther, elle est amoureuse de Morty la mouette. Morty l'aime bien, mais voilà. Mais Maléfique ne permet pas au corbeau de sortir avec d'autres
qu'il est corbeau. Il faut que les corbeaux restent entre les corbeaux. Donc elle n'est pas très ouverte de l'esprit, maléfique. Okay. Après, c'est normal, la meuf, elle a voulu tuer une petite enfant parce qu'elle n'était pas invitée à sa baptême. Donc quand même, il faut arrêter un peu, donc bon, c'est et normal. Et la conclusion de cette magnifique histoire? Non, c'est en cours. C'est tout? C'est en cours. Ah, c'est en cours, on les reprend demain, c'est ça, pour continuer? Ah, Esther va sûrement passer nous voir ce soir. Bon, ok, alors on continue l'histoire demain. Allez. Je vais écrire un livre. Cette aventure de Morty Diablo. Elle continue, elle continue, c'est pas possible. Stop, on continuera demain. Ou pas, hein. Elle est jalouse. Oui, exactement. Alors, bah écoutez, là on est en train de rentrer tranquillement à l'hôtel à pied. On va conclure là parce que KO. Puis il faut qu'on passe les balises en rentrant. Du moins une partie, puis on finira demain matin parce qu'on s'en va demain. Je sais plus si je vous l'ai dit, je pense. C'était une très bonne journée. Franchement, et quand même, on a fait 8h, on est même arrivé un peu avant 8h, jusqu'à c'est 20h là. Quand même 12h sur le parc. Moi je trouve que c'est pas mal. Encore le focus n'est pas sur moi, mais sur Michel. Non, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Non, vraiment, super journée. On a fait toutes les attractions qu'on voulait. Franchement, à peu près quoi, hein, voilà, mais vraiment les essentiels. Et on a géré notre temps, franchement on était bien. On a kiffé, on n'est pas trop fatigué, même si quand même. Hein. Mais ça va, on a fait tout ce qu'il fallait. Super journée, vraiment. Et demain. Donc demain on vous reprend, demain on s'en va. Alors on sait pas trop si on va à Disney Springs le matin, enfin Disney non, Downtown Disney, Disney Springs en Floride, si on va au Disney Village quoi, le matin ou pas, ou si on y va rapidement, ou si on se fait vraiment un bon resto ou pas. Donc on vous prend demain, puis on vous prend aussi pour le voyage, j'aime bien les avions tout ça. Ah ouais, mais c'est pas grave, vous avez tous les échos, les voitures, tout. Et la musique un peu scary. La musique effrayante, ouais, exactement. Bref, tout ça. Franchement, ce vlog va faire genre 2h. Donc, on vous prend demain. Oui, c'est l'essentiel du vlog, c'est pour ça que vous avez regardé. Pour l'histoire des trois oiseaux. Allez, à demain. Ciao, ciao.